Bonjour tout le monde, c'est Saran et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de ma série sur Inside, de mon let's play sur Inside, un jeu de chez Playdead. Et c'est parti, nous sommes à l'épisode 6 effectivement, et donc je vous invite à aller voir les anciens épisodes si c'est pas encore fait, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Voilà, c'est parti, donc c'est un let's play, le minimum de coupures possible, sauf quand c'est très chiant, comme dans l'épisode 3, et on se retrouve du coup, il y a des gens au fond là. Ok, il va falloir me soulever les gens. Non, désolé, j'ai pas... Non, voilà. Hein, bon. Ok. Prêt ? Non, plus haut. Non, bah on peut pas. On est censé faire comment là ? Parce que moi j'arrive pas moi. Moi j'arrive pas. Il faut peut-être redescendre la flotte en fait. Ah puis il y a quelqu'un là. Ah non, c'est quelqu'un qui a perdu ses jambes. Oh c'est dégueulasse le pauvre. Ah je pense plutôt qu'il faut qu'il me soulève voilà pour faire... Soulevez-moi. Allez-y, venez. Non, mais non, ils peuvent... attendez. Je suis complètement paumé. Ils peuvent... Oui, ils peuvent me soulever, là, pour aller dans l'eau. Ils peuvent me soulever. Et oui. Mais oui, c'est clair! Allez, saute. Merci. Plouf, allez, suivez-moi, par là, voilà. Ah, falloir que j'active le bouton en fait en tombant. Est-ce que je peux faire ça? Je peux faire ça. Mais pourquoi les gens ils me suivent? J'ai plus le casque! Alors en fait, quand ils m'ont pris avec. Quand la sirène m'a pris, j'ai eu un truc qui m'a transpercé le ventre, j'avais l'impression. Donc ça se trouve, ça m'a mis le pouvoir de respirer sous l'eau et en fait de. Que les êtres me suivent. C'est très bizarre. Merci. Non, mais ton. Je crois qu'ils sont morts. Merde. Ah, il y a des gens là-bas. C'est trop mignon qu'on m'escale à la vie, tu vois. Ouvrez-moi. Alors, dans le jeu, il est 5h. Non, mais dans le jeu, il est 7h. 8h. 7h moins le quart. Ça sert à quelque chose que je regarde les gens là-bas. Va se passer quelque chose? Non, ok, c'est infini. Par contre, du coup, il y a un truc que... Faut que je descende, peut-être? Mais oui, ils me retiennent, c'est vrai. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne comprends pas. Ah si. Ok. Ils sont au-dessus de moi.
fait, on retourne au même point, parce qu'ils étaient déjà avec moi quand on était là. Mais c'est fermé. Et ils vont pouvoir me faire monter à ça. Je vais pouvoir péter la vitre, vous pensez? Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Moi, je pense qu'il faut se remettre dans l'ascenseur avec eux. Parce que comme ça, ils sont au même niveau que moi, et du coup, l'étage du dessous, ben, on sera au même niveau. Mais après, pourquoi? I don't know, yeah. Ok, on va voir ça. Ah, il y a une musique, c'est bon signe. Ah bah si, on va pouvoir soulever la porte, en fait. Que je pouvais pas soulever tout seul. Oh merde! Ah, on se retrouve là où, d'accord, on voyait les gens au fond. Venez, voilà. C'est vraiment de plus en plus grand. Hein. Bon, je crois que nos chemins se séparent ici. Merci les gars. Allons là où tous les gens vont. Là, on est au quatrième. C'est vrai qu'on, depuis le début... Ah, il y a un cigare qui fume encore. Je pense qu'il y a eu quelqu'un il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'on a commencé au 1, 2, 3, et là, on est au quatrième, quoi. Il y a le téléphone aussi qui est décroché. Est-ce que c'est des chapitres ou des niveaux un peu figurés comme ça dans le décor? C'est plutôt bien fait, d'ailleurs. Si c'est ça, parce que... on les sent pas, on sent pas les chapitres passer, mais pour autant... Oh, la pauvre. En sang, quoi. Mais... C'est quoi ce délire, là? Regardez, ils m'ont rien fait. C'est génial, c'est super angoissant, on se demande vraiment ce qui se... Mais... C'est angoissant, mais quand je fais de la merde, qu'est-ce qui se passe? Je veux voir. Faut que je fasse quoi? Ça va être des scientifiques. Ils ont, c'est peut-être ceux qui ont fait ce projet, qui ont, je sais pas, qui ont fait des trucs. Qu'est-ce qu'ils regardent? Ils ont l'air tous obnubilés par quelque chose, comme s'il se passait quelque chose d'anormal. Oui, ils regardent tous dans le même truc, mais je veux voir ce qui se passe. Ah, ils se cachent quand même de eux. Pas que je saurai jamais ça, je vais péter un câble. Tu ne sauras jamais ce qui s'est passé. Non mais je veux voir ce qu'il regarde, c'est obligé. Non, attends, faut pas que je sois dessus pour l'ouvrir, logiquement. Faut pas se soulever soi-même. Qu'est-ce qu'il y a dans cette sphère? Je crois que je suis comme ça depuis tout à l'heure.
comprends pas trop en fait. Ouais, faut que je descende. Faudrait que mon vaisseau reste dans ce sens-là en fait. À moins que, mais. Mais non, on n'a pas besoin de remonter dedans, je pense pas. Le but c'est juste. Pouvoir choper l'échelle, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans cette sphère? Aller dans cette sphère. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'y aller, mais j'ai envie d'y aller. Parce que pas logique, hein, on sait pas ce qu'il y a dedans. Ok. Je sais pas exactement ce que je fais, mais je libère quelque chose. Non, bah non. Ok, je crois savoir. Je pense qu'il y a un petit délai avant que les turbines se remettent en route, et comme elles nous font monter très vite... On redémarre les turbines, tout doucement. Je recommence parce que j'ai fait de la merde en fait. Je savais pas que je pouvais descendre. Soit à pleine puissance. Ça vibre, ça vibre, ça vibre, ça vibre, ça vibre. Et c'est parti. Oh, je suis tout nu en plus. Genre j'ai perdu mes vêtements. What? Mais c'est dégueulasse. Non, 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 lâche-moi. Non, 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 lâche-moi, lâche-moi, deux secondes. J'essaie de te sauver, ok? Bah, je sais pas si j'essaie de le sauver du tout, je serais en train d'essayer de le tuer. Mais c'est quoi ce truc dégueulasse? Non, 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 non! Si, c'est normal, ok. Je dirige ça, moi. Je dirige ça! Non, c'est dégueulasse! Grave sur le cul, j'aurais jamais pensé que ça se passerait comme ça. Bah tu m'étonnes, j'ai de la force, hein. On est je sais pas combien à l'intérieur. Ils me suivent toujours, elles me kiffent, hein. Portez-moi. Ah, ils vont tous se mettre à me porter, c'est génial. Allez. Ah, ça déboîte. Ultra classe.
faut que je récupère des gars. Enfin, le cri des personnes qui te composent, c'est ouf, c'est assez impressionnant. C'est génial en tout cas. Je pense que vous êtes aussi surpris que moi si vous connaissez pas le jeu. Mais c'est ultra bien fait. En vrai c'est dégueulasse hein. En vrai je trouve ça génial parce que dans un jeu on m'a jamais permis de jouer ce genre de truc, mais c'est dégueulasse, c'est... Je me dis putain, c'est des expériences sur des gens qui sont... Parce qu'en fait là, notre personnage il a été assimilé dans la boule, mais je crois qu'il est cuit le personnage. Ah. C'est immonde. Oh, on est plein de sang, c'est dégueulasse. Ah ouais, on peut se laver là un peu. Je suis censé faire quoi là? Ok. Ah, c'est bien fait, le sang, la traînée et tout. Putain, c'est génial. Ok. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, mais c'est génial parce que intuitivement, tu vois, tu sens que tu peux. Sans que tu peux le monter, le truc. Les chiens, ils se font attaquer, ça. Celui qui fasse, les chiens. Parce que... Ta gueule! Allez! Ouh! Ah mais c'est nous en fait, on se... Non. Ah non, d'accord. Mais c'est quoi ce jeu? Ok, faut le laisser faire. Je vais le laisser faire. Ok. Ah, il me laisse partir, c'est trop mignon. Trop du mal à rentrer dans le truc. Ah, il m'ouvre tous la porte en fait. Mais est-ce qu'il ne veut pas me foutre dans un piège en fait? Oh le pauvre. Il perd des bouts de bras à chaque fois. Je m'amuse bien en tout cas. Ok. Je vais prendre la caisse avec moi. Ok. Putain, c'est génial parce que je vous dis, c'est vraiment hyper intuitif en fait. Là, je prends la caisse, je sais que je peux la balancer, parce que
j'ai différentes actions maintenant que mon corps a changé, quoi. Maintenant que je suis énorme. Non mais, tu peux te barrer, toi? Merci. Je suis censé me jeter dedans, là, ou... J'ai jeté la caisse. Je ne comprends pas tout dans le truc. Ok, j'ai une caisse en train. Ah, ça leur fait mal. Ah non! Ah non! Non. J'ai compris. J'ai compris. Attends, ça se fait bien. Ça se fait bien en fait. Là, ils ont des boules là. Là, ils ont des boules parce que. Si je balance ça dans le trou du début, je pense que ça me fout grave la merde. Allez, 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 on monte. Ouais, tu vois, c'est marqué feu au-dessus. Yes! Ah, j'adore quand c'est intuitif, ça, j'adore ça. Encore une fois, là, on est dans quelque chose de moins subtil, mais c'est hyper poétique, en fait, c'est hyper glauque, mais du coup, ça fait grave réfléchir, on se dit, putain, on va pouvoir voir des métaphores à la fin, quoi, sûrement, mais... C'est sûrement une métaphore de notre monde et de la politique actuelle, enfin, j'en sais rien, mais... Qu'est-ce qu'ils veulent? Bah, allez-y. Fais quelque chose. Ça sait faire quoi en fait? Mais tais-toi. Ah bah tiens, mais si, si, il y a ça là. Ah, c'est un train entier que je porte là. Tranquille. Alors attendez, hop, là je mets ça là, je monte dessus. Ah oui là c'est vraiment dégueulasse. Je pense pas qu'il faille se lancer. Pas si c'était vraiment le but de leur truc de péter le mur. J'ai pas bien compris ce qu'ils voulaient faire en fait. M'accrocher, j'ai cru en fait, pour me faire remonter. Bon, en même temps, me faire remonter, bon courage, vu le poids. La 3-4 en train de me tirer. J'arrive pas trop à savoir s'ils m'aident en fait, les espèces d'ouvriers là, ou si. Ou si ils me foutent dans un piège. Thank you.
Ah, le con! Donc là, là, on peut dire il m'aide. J'espère. Ou alors je suis nul. Merci. Oui, je suis passé. Oh les enculés. Non, en fait, ils me tendaient un piège. Là, ils m'ont fait être... Oh non! C'est super triste, quoi. Je peux jouer là? Oui, je peux jouer. Autant pour moi en fait. Je me suis laissé tomber, je pensais que. Ah, je peux enlever des trucs. Ah, on retrouve nos petits copains les poissons. Waouh, 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 waouh! Quel jeu, quel jeu, quel jeu! Donc on est d'accord que c'est pas nos potes en fait, hein, les ouvriers. Pas du tout nos potes. Ils ont essayé de nous avoir avec une espèce de caisse. Voici dans la nature, yes! Rangez vos... Rangez vos jambes! Eh ben on est libre, putain. On est dégueulasse! Oh, ils vont peut-être éjecter le petit. Ah, j'essaie d'appuyer parce que là, depuis le début, j'appuie, il se passe rien. Bah, j'appuie pas justement alors qu'il faut. Ok. Ça s'éloigne en fait là. La caméra s'éloigne tout doucement en fait, c'est assez ouf. Ah putain. La claque, la claque, la claque, les amis, la claque. On peut croire que je surjoue là, mais je surjoue pas du tout. Je suis vraiment waouh. Et quand on est waouh, on sait pas quoi dire en fait. C'est toujours pareil. Et ben, c'était super, super bon jeu. Ça nous a pris 6 épisodes, ouais, donc 3 heures de jeu.
3 heures de jeu. C'est court, mais quelle expérience, quoi. Est-ce que ça vaut ces 20 euros après? Bah, c'est vrai que bon, les 12 euros avec la promo, c'était très bien. Voilà. Là, pour le coup, c'est une très belle œuvre, c'est magnifique. Y a pas à dire, donc, peut-être 20 euros, c'est un peu cher vu le nombre d'heures, mais là, pour 12 balles, oh, c'est un peu bête de parler d'argent, là, au moment de cette fin, mais bon, pour vous sachiez si vous devez l'acheter ou pas, impressionnant, impressionnant. J'ai entendu parler qu'il y avait une fin alternative, donc, il y a une rejouabilité possible. En tout cas, waouh. Bravo, bravo, Playdead, bravo. C'était un super jeu. Et qui m'a fait voyager, vraiment. Mais par contre, la fin, c'est vrai que c'est ultra triste. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le jeu. C'est le jeu d'avoir des jeux qui parfois sont tristes. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est possible dans le jeu vidéo. Et en fait, là, du coup, ça reste là-dessus, quoi. Non, d'accord, écran noir. Et voilà. Et on a le menu de début. Et on peut recommencer l'aventure, d'accord. Ok, et bah, hyper impressionnant. Hyper impressionnant. Et bah écoutez, sur ce, je vous laisse. C'était le dernier épisode du Let's Play. Là, ça recommence à zéro, je pense. Voilà, ça recommence à zéro. Donc on peut faire éventuellement le jeu. Et c'est peut-être là qu'il y a la fin alternative. Je vous laisserai le découvrir. Peut-être bien de ne pas tout spoiler, si jamais. En tout cas, ça m'a beaucoup plu. On arrive juste à la fin d'un épisode, ça. Impressionnant, en tout cas, c'est vraiment bien fait pour faire des épisodes de 30 minutes. Je vous dis à une prochaine sur un nouveau Let's Play et sur une autre vidéo, de toute façon. Ça m'a beaucoup plu de faire ça avec vous, en tout cas. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour ce dernier épisode, ça me fera très plaisir, et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir, parce que j'ai beaucoup aimé partager ça avec vous. Puis sur ce, je vous dis à très bientôt. À très très bientôt. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ciao tout le monde! Let's go.